Salut à tous, c'est Freeze, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo réaction, hein, si on peut appeler ça une vidéo réaction, honnêtement. C'est juste un rageux qui a fait une vidéo sur moi. Donc le mec s'appelle Versus Jérémy YouTube, hein, c'est d'ailleurs un pseudo très très particulier. Son PSN c'est Versus Jérémy YouTube, original, c'est nul en fait. Et sa vidéo c'est le mec met full canon orbital. En gros le mec il a juste fait une vidéo sur moi parce qu'il pense que je glitch avec mon canon orbital car je peux spam orbital en fait. Et pour ceux qui savent et qui ont récemment vu les mises à jour de GTA 5 Online, le canon orbital a été buff depuis la 1.51, donc ça fait maintenant plus d'une semaine que le canon orbital a été buff. Si vous me croyez pas, je vous invite à aller voir la vidéo de Hummer Guy, qui est un très bon youtubeur d'ailleurs, un hein, de mes préférés avec Ellie Sexuality, qui a fait une vidéo sur le buff du canon orbital. Regardez. Il tire. Son ami s'est mis dans une zone sous un parking où il peut pas se faire buter. Et là, hop, il a les plus 750 000 dollars parce qu'il a raté sa cible. Voilà, donc ce n'est pas un glitch. Le petit youtubeur juste ici, là, Jérémy, m'a signalé plusieurs fois pour exploitation de bugs. Ne vous en faites pas, il Attends, n'y aura rien parce mais viens que le ce n'est voir. pas une exploitation, je sais pas, une Mais si je exploitation de vois, bugs simplement. viens le voir sur ton Donc nouvelle vidéo voilà. sur GTA 5 Online, voilà. Il y a un mec qui me met full canon orbital, il s'appelle Youplay, voilà. Il s'appelle Youplay, voilà. Ah, franchement, il a un accent drôle, je sais pas vous. Genre on pourrait faire tellement des mèmes avec, hein, si on arrive à compiler sa voix, on pourrait en faire des mixtes et tout. C'est Par marrant. en bas, les gars, comme il fait, ce PD là. Ce Youplay, PD voilà. là. N'hésitez pas à te signaler ce gars-là. N'hésitez pas à le signaler ce Les gars, je gars-là. suis mis en code mode, c'est normal parce que le mec il met full carte orbitale. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vais remettre, hein. Les gars, je suis mis en code mode, c'est normal parce que le mec il met full carte orbitale. Vous voyez comme il fait sa victime. Je cite, je me suis mis en code mode, c'est normal parce que le mec me fout le canon orbital. Non. Non. Vous resituez la situation. Le mec, je l'ai rencontré un après-midi, hein, cet après-midi tranquillement, sur un live. Le live qui d'ailleurs s'appelle Live PS4 FR sur GTA 5 Online. Go laver toute la session. Avec un titre comme ça, je me suis dit, ah, soit le mec c'est un gros tryhard et ses 4 suicides et TP complexe c'est mort, ou alors c'est un joueur qui code mode grâce au god mode glitch de l'arène, hein, vous voyez le truc tout con à faire. Et en allant sur son live, j'ai découvert que il a fait le glitch de l'arène. Voilà, c'est intéressant, c'est super drôle. Bah, j'ai sauvegardé son Toi, pseudo, je peux le rejoindre et tout. hein. Yo les gens. Et plus tard dans la soirée, il était en train de jouer, je l'ai rejoint. Et ben voilà, voilà où on allait. D'ailleurs, avant cette vidéo, cette session-là où il est, il avait fait deux, trois autres sessions juste avant où on l'a annihilé avec un pote à moi, on l'a annihilé, genre je lui ai mis un 3-0, et après il a directement passive ou crash kit. Franchement, c'était super drôle. Le mec est super nul sur son god mode, il a zéro shoot. Mais Alors, J4 dans putain, J4 premier, vraiment, tu vois. Frère. frère, Ça fait au moins 2, J4 dans putain, ça fait au moins 2, 6, 10 J. canaux orbital. D'où t'as l'argent de mettre J4 dans putain et de base, c'est 1 heure. D'où j'ai l'argent? 750 000, ça se forme super facilement. Hein? Tu fais deux braquages, tu les as. Et de base, c'est 1 heure. Non, de base, ce n'est pas 1 heure, c'est déjà 47 minutes. 48 minutes si tu ajoutes les secondes qu'il y a et que tu perds pendant l'animation. Et de deux, je n'ai pas de CD, tout simplement parce que tu ne meurs pas. Et je ne tue pas de joueur avec mon canon orbital. Voilà, mon pote, c'est tout ce que j'avais à te dire. Étant donné que tu ne peux pas comprendre, car tu ne peux pas faire du canon orbital avec tes petits 31 dollars et 6 439 dollars. Il a sorti plein de trucs, hein. Il a sorti j'étais en argent freeze, du coup je peux tirer à l'infini, etc., etc. Mais le mec, il sait pas lire ou il se renseigne pas sur les vidéos GTA, hein. Je trouve ça drôle, hein. Une Le heure, mec pas t'es une vu heure, ce matin, il chien. en met un. Mec, ça fait 340 bitales depuis ce matin, ça fait 400 depuis ce matin. Ça fait 400 canons orbital depuis ce matin. Non. Ce matin, j'étais en examen. Voilà, je me défends. Je me défends, les gars. Le mec, je l'ai bloqué, ça fait rien. Le mec, je l'ai bloqué, ça fait rien.
Bah, tu pourras juste ne pas m'envoyer de message. Je peux toujours te rejoindre. Bah moi je suis même pas décollé qui me tire dessus. Si tu ne peux pas décoller, c'est normal. Parce que le but de spam orbital sur un God Mode Player, c'est de détruire tout le temps ses véhicules. Que tu te mettes dans un HR, une auto-chenille, un insurgent, un MOC ou un avion, ton véhicule va tout le temps péter. Surtout qu'ici, dans la session, mes amis ont été intelligents. Ils t'ont mis ce qui s'appelle une prime. Et une prime, une fois que tu l'as, tes véhicules, on ne les paye pas. Voilà. En soi, je m'en fous de payer les véhicules. C'est juste pour mon mauvais joueur. Hein. Il n'y a pas envie de me retrouver un mauvais joueur à cause d'une pépite comme toi. Ouais, franchement, je vais te nommer la pépite. Je cite le mec Argent Freeze pour pouvoir canon orbital. Voilà. Va, on essaie d'aller au nord. Mec, me remets un canon orbital. C'est 13, non? Ah, voilà, je les compte. Eh, ça fait 13 là. Ah voilà, je les compte. On peut en faire une compile, hein. Je vais couper ça et je vais mettre ça sur un Elgato, les gars. Au moins il sait les compter, hein. Au moins il sait compter, hein. Il a peut-être un petit cerveau, il sait quand même compter jusqu'à 13. Même s'il est passé de 1, 6, 10, 13 très très rapidement, il sait compter quand même. Ah, ce moment-là il m'a fait rire. Ce moment-là il m'a fait rire. Regardez, genre là il tire sur la Schlagen. Bon ça on s'en fout. Regardez là ce qu'il va dire. Mec, un de mode sur mon... J'ai mal mis pause, désolé. On réessaye. Mec, un de mode... Mec, il y a un Nightshark God Mode. Il y a un Nightshark God Mode. Sache que le Nightshark, mon ami, n'est pas. Tu peux pas le mettre en God Mode, hein, mis à part sur PC avec 2-3 manipulations ou un mode menu. Mais le Nightshark God Mode sur PS4 n'existe pas. Tout simplement parce que t'as pas de manipulation pour le rendre en God Mode. Et de plus, où tu tirais. Donc je vais te débunker tout ça mon petit. Hop. Regardez un peu où va la balle. La balle va sur la paroi de la vitre. Et du coup c'est normal que ça ne touche pas le chauffeur. C'est juste le spray de tes balles ici qui a permis de tuer le copilote juste à côté. Mais sinon c'est normal. Hein. Quand tu vas viser avec ton AR, ça va directement viser la paroi. Et pas le petit trou du Night Shark. Mec, y'a un Nature God Voilà. Mode sur mon... Y'a un Nature. C'est juste une petite chose à apprendre. Hein. Le Night Shark, c'est normal qu'il réussisse parce que c'est un des véhicules personnels les plus blindés du jeu. Hein, 27 missiles, 9 roquettes, hein, mais il a pas l'air de savoir ça, étant donné qu'il sait même pas pour le canon orbital, je vais même Connexion pas gitan. expliquer. Toi, ta mère, tu dors. Pourtant, Martu dort. Regardez, regardez la haine. Je suis désolé pour vous, là, Tony, Jack et Shelly. Désolé d'avoir attisé la haine sur ce personnage envers vous. Mais c'était tellement marrant de déjà le défoncer juste avant et de le faire rager comme ça. Alors ici, il détruit les véhicules personnels. Et ça, c'est tant mieux, parce que moi, je voulais canon orbital à ce moment-là. Et le fait qu'il ait déblayé le chemin, Allez, ben, ça m'a on parle bien même plus aidé. du tout ta voiture de Voilà. merde, hein. Après, il était en mission, donc Dégage. normalement je les payais pas les véhicules personnels, mais Mec, veux me remettre un canon orbital. je voulais pas prendre le risque. Mec, ça fait 30 canons orbital qu'ils m'ont mis. Ah, ça fait 30 canons orbitales. Alors juste avant, elle a dit que ça faisait 13. Bon, mais écoutez, on n'est plus à ça près. Ah oui, ici c'était son pote qui était en laser, juste au-dessus, qui faisait essayer de faire des petits passages, d'ailleurs qui a éclaté avec son laser, hein, je tiens à vous le dire, il le joue très bizarrement, il le joue bas, il sait pas faire un piquet, et il ne sait pas dodge de missile, c'est intéressant. Et je l'ai canon orbital parce que son pote aussi était en god mode, hein, bien sûr, à écouter ce qu'il va Voilà, dire. facile. Monster, attends. Envoyez un message. Go te signale qui coup tu sais pas où tu es. Viens un V1 plage. Merde. Enfin, voilà, je vais... Voilà. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a fait tu sais pas jouer Kiku, blablabla, viens un VS1 plage. Oui, je veux bien venir un VS1 plage, mais étant donné que t'es en God Mode, je ne peux pas prendre le risque, hein, mon ami. T'es plutôt cool, mais non. Et sachant que t'es éclaté au sniper, parce que juste avant, dans les sessions d'avant, t'as explosé avec mon ami. Je tiens à te dire d'avance que le 1 VS1, je le gagne. Que ce soit moi ou Alex. Voilà, c'est tout.
C'est tout, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, me traiter de cheater alors que ceci n'est pas un cheat, c'est un petit peu débile. Ouais, mais j'ai pas dit que j'étais pas en god mode. Ah, il vient encore me mettre un canon vital. J'ai pas dit que j'étais pas en god mode. Je sais que t'es en god mode parce que j'étais canon vital, mec. Donc mec, là, j'en ai il a... marre. Là, Mec, il a j'ai pris ça prononcé au canon trésor. vital. Et je l'ai un instant canon orbital au passage. Mec, j'en ai marre. J'ai dit que Ou alors c'était un c'était noob Alex, et tout de je sais venir pas. s'il était fort. Donc, son pote a dit, je lui ai dit que c'était un noob et tout, et je lui ai dit de venir s'il était fort. Oui, je veux bien venir, je voulais bien venir. Ah, après, je lui ai envoyé plein de petits messages en mode, ok, tu sors de ton god mode, je veux bien faire toi un 1v1, legit à la plage. Cependant, il ne voulait pas sortir de son code mode, hein. Il veut pas sortir de sa zone de confort, on va dire. Du coup, c'était juste ennuyant, en fait, hein, parce que j'essayais de parler avec lui, mais le mec était directement agressif, en mode, on t'a signalé, tu vas te faire bannir, ah. Oh putain, mais les gars, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, hein. Ah, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. D'ailleurs, oui, abonnez-vous à ma chaîne, hein, pas à la sienne. Hein. La sienne, il fait des du contenu dégueulasse. Ah, ce qui est bien, ouais, mais moi, j'ai 8 de ration, c'est legit. J'aime bien ta voix, mec, franchement, pour en faire une compile. Et oui, mon 8 de ratio est legit comparé à ton petit ratio de merde. Mon 8 de ratio, je le fais avec du véhicule imposant, de l'auto-chenille, du laser hunter ou du rogue. Ah, ça m'arrive souvent, j'ai joué des véhicules qui demandent un gros skill cap, mais c'est des véhicules, une fois maîtrisés, qui sont dévastateurs. Hein. Je peux même jouer du Tula, si tu veux. Mon 8 de ratio, pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, depuis un moment et qui regardent mes vidéos PVP, bah vous voyez comment je peux le faire. Hein. Je joue de la FL Ruiner contre Full Oppressor et des conneries dans ce genre. Hein. C'est tout con. Il a pris un Nightshark, il va se prendre un coup de canon orbital d'Alex. Normalement. Voilà. Ah bah non, il a pas réussi. Voilà. Ah, Laisse en fait mon. je vous dis, hein, il pourra pas, il peut pas prendre de véhicule, hein, ce mec. Hein. Laisse mon écharpe qui résiste pas au canon orbital. Mais ça Ben, c'est c'est logique. normal, t'as aucun véhicule qui résiste au canon orbital, à part le Par contre, Yuna. résiste à deux pressors, ça c'est pas faux. Le Nashak Oui. résiste pas à deux Ah ouais. oppresseurs. Non mais je l'ai renvoyé l'oppresseur, c'est pas qu'il a résisté, c'est que je l'ai renvoyé. Le Nashak résiste pas à deux oppresseurs, hein. Il résiste à une oppressorette. Il a raison, notre ami officiel Leandro. Il a raison. Si tu regardes cette vidéo, tu as totalement raison. Jérémy est un noob. Bon. En orbital, tu fous la merde. My Il jolie, dit my. 100 ans de mode, t'es nul. Bah, moi, je lui dis 100 ans en orbital, tu fous la merde. Vous avez entendu ce qu'il dit? Le mec a dit. Je lui ai dit à son pote, sans ton god mode, t'es nul, ce qui est vrai. Et lui, il me répond, sans ton canon orbital, tu pues la merde. Non, pas du tout, je ne pue pas la merde sur mon canon orbital, t'as qu'à regarder mes vidéos. Et en plus, le canon orbital, une fois que j'arrive à tuer un joueur, j'ai un CD dessus. Mec, il bouge pas, mon ratio, je suis encore en 2-24, ça fait 1 heure, je suis inquiet. Mais moi aussi, frère, ça bouge pas. Moi, ça descend. Oui, d'ailleurs, il god mode pour farmer du ratio, ça j'ai pas trop compris, mais bon, voilà. Je ne sais pas à quoi ça Non, ça sert. bouge pas. Pareil, enfin, ouais. Ils sont fous à voter mon expulsion, hein, mais tous les Oh, autres le de la mec. session nous ont recommandé, je leur ai demandé gentiment. Étant donné que tous les autres de la session ont compris que ces deux joueurs étaient en god mode, du coup on s'est pas fait bannir de la session. On a juste quitté parce qu'en fait il n'y avait plus rien d'intéressant. Ah, sa vidéo est déjà Bon finie. voilà, moi les gars, je vous laisse la petite bulle, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les gars. Ciao. Bon voilà, moi les gars, je vous laisse la petite bulle, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les gars. Ciao. Il est pas lié à la logopède hein, quand il était petit, hein, ça se voit. Hein. Mais bon, voilà, en gros, c'était une vidéo réaction parce que le mec découvrait le nouveau canon orbital et qu'il savait pas ce que c'était. C'était plutôt marrant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle, surtout qu'il ait fait une vidéo pour parler, on va dire. Pour lui, c'est une vidéo coup de gueule, hein, parce qu'il essaye de me faire bannir, sachant que je vais jamais me faire bannir. Et au cas où que je me fasse bannir, disons, si Rockstar tombe sur ça ou autre chose dans le genre, c'est lui qui prend tarif, hein, sachant qu'il spamme le signalement, il abuse un peu de tout ça. C'est lui qui peut avoir des problèmes. Hein. C'est la fin de cette vidéo. Hein. S'il met d'autres vidéos, je vous ferai d'autres vidéos, ne vous en faites pas. C'est juste que le mec, voilà, il vaut rien. Il vaut rien en PVP, il vaut rien en gunfight, il vaut rien avec des véhicules tout court.
il vaut rien tout court le mec, donc voilà, c'est plutôt marrant. Du coup, je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.